Voilà, nouvelle moto, 250 WRF 2015. Donc comme vous pouvez voir, elle est toute d'origine comme j'aime. Franchement, elle est très propre. Elle a beau avoir 5 ans, l'état est vraiment clean. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Comme motif dessus, j'ai juste changé le silencieux. J'ai mis un silencieux d'YZF en fait, parce que celui de WRF de base faisait un bruit vraiment étouffé. Et là, elle respire beaucoup mieux. Donc voilà. La moto qui va m'accompagner pendant je ne sais combien d'années. Donc comme vous pouvez voir la petite plaque, donc la moto est forcément homologuée. J'ai même le petit rétro et tout ça. Donc elle est street légale comme on dit. Avec cette moto je vais pouvoir rouler aussi sur la route, faire les jonctions entre les chemins. Comme le permis arrive très bientôt, ça va me permettre d'être beaucoup plus libre, d'aller à des endroits nouveaux aussi pour tourner les vidéos par exemple. Donc ça va être cool. Donc je l'ai essayé cette moto, hein. J'ai beaucoup tourné avec. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez beaucoup vu déjà, ça fait quand même un long moment que je l'ai. Mais comme sur YouTube, je me suis vachement absenté, je vais pas me donner d'excuses. C'est clair que j'ai pas été présent ces derniers temps. Je dis pas que c'est le grand retour, etc., comme certaines personnes peuvent le penser. Mais voilà, je vais publier des vidéos. Quand j'ai du contenu, je publie, voilà, tout simplement. Quand je peux rouler, je roule. Et voilà, c'est des vidéos spontanées, c'est pas... une vidéo par semaine ou quoi, ça va être vraiment dès que j'ai du contenu. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui me réclament des vidéos forcément, mais voilà, que vous allez avoir une vidéo bientôt où je roule avec en enduro avec Twes Stunt, donc qui lui a un 4,5 WRF qui vous a présenté sur sa chaîne d'ailleurs. Je vais vous mettre sa vidéo en suggestion. Franchement on a pris beaucoup de plaisir à rouler avec ces motos pour le terrain où j'ai l'habitude de rouler, où il y a un petit peu de tout, un peu de forêt, un petit peu de champ, etc. C'est vraiment une super moto. J'ai peut-être quelques petits frais à faire dessus, au niveau de, par exemple, de l'embrayage. L'embrayage, bien que la moto ait que 4000 km, il commence à être en fin de vie. Donc voilà, je vais changer ça et puis après, ça sera nickel. Pour les wheelings, c'est terrible. Bien qu'il faut que je m'habitue aux 4 temps, parce que c'est ma première moto 4 temps. Alors pourquoi j'ai pas pris un 450 comme tout le monde? Je néglige pas, hein, les 450, c'est super. Mais moi personnellement je suis assez petit de taille, je trouve que gérer le poids d'un 450 dans les chemins etc, c'est plus compliqué. Et ce moteur, bien que ça soit un 250, il a quand même vachement de patate. Il monte beaucoup plus dans les tours que le 450, donc c'est une autre façon de conduire, mais c'est super fun. Et l'entendre prendre des tours, comme ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Là cette vidéo là, je vais pas rouler avec, voilà, on est à côté de l'eau, je voulais faire des petits plans sympas pour vous la présenter. Parce que à ceux de YouTube, je ne vous l'ai jamais présenté encore. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram aussi, ToBikeLife. C'est là où je publie quand même des photos de toutes les machines plus régulièrement que sur YouTube. Voilà. Pourquoi j'ai vendu aussi mon 250 de temps, vous pouvez me demander. Parce que c'est une moto que j'ai adorée. Le problème, c'est que c'était une 250 YZ homologuée. Donc j'avais pas la boîte de vitesse enduro, elle tirait vachement court, je devais prendre 90 en 5e. Alors que voilà, avec le WRF, il y a vraiment une vraie boîte enduro, on peut rouler sur la route avec. Boîte 6, donc la 6e tire plus long, c'est beaucoup plus agréable à rouler. Et surtout, elle est homologuée pour les permis A2. Alors que le 250 que j'avais avant, le 2 temps, n'était pas homologable en A2. Donc voilà, voilà la bête.
j'espère que la vidéo vous aura plu. Les beaux petits plans de la moto, tout ça. Je sais que vous voulez l'avoir roulée, mais ça sera pour la prochaine vidéo que j'ai tournée avec Toes. Donc elle va pas tarder à sortir puisqu'elle est déjà tournée, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ma belle petite moto. Donc désolé s'il y avait des petits bruits de vent pendant la vidéo, forcément là ça soufflait pas mal. N'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo si ça vous a plu. Allez, sur ce, on se dit à bientôt pour la vidéo enduro. Ciao.